Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est 13h. Voilà, je suis déjà en babouille. Ce matin, j'ai rien fait de spécial. Je suis glandouillé. On a mangé. David, il travaille, donc on a mangé. Je suis partie chercher l'essence. J'ai pris de l'essence à Intermarché avant de prendre la route samedi. Enfin, vendredi soir, je l'ai pris, moi. Intermarché, le samplon 95, donc Intermarché de Dandernau, c'était 1,75€, donc 1,76€. Là, il est à 1€. Bien, je ne me rappelle plus. 1,919€, donc 1,92€. C'est un truc de fou, je pense. C'est dingue, ça. Et c'est le même, hein, c'est parce qu'il y a le 10 aussi. Là, c'est du. Des fois, j'ai pris du samplon 95 normal. Voilà. Ça fait quand même presque 20 centimes d'écart entre les deux Intermarchés à 600 bornes. Enfin bref. Et ma voiture, elle a, avec les bouchons et tout, là, on a fait 610 km à peu près. Et juste avant d'arriver à quelques kilomètres de la maison, je sais pas, il y avait 17 km. Moi, je voyais que la jauge descendait. Hein, et j'ai dit putain. Et tout à coup, donc j'ai le nombre de kilomètres qui s'affiche restant à faire, et puis après au bout d'un moment ça s'enlève parce que voilà, c'est une garantie, c'est pour pas qu'on se retourne contre le constructeur ou quoi que ce soit. Si admettons ça affiche 110, il me reste 110 km et qu'en fait je tombe en panne, là je peux dire au truc bah attends, ça m'a affiché 110, moi je suis pas allé chercher de l'essence quoi. Alors que là ça m'a affiché 110, après j'ai regardé, il y avait plus rien, il y avait des petits traits. Donc il se protège comme ça en fait pour bon, ça me paraît un peu normal parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû voilà. Et tout ça pour dire que tout à coup le voyant s'est allumé. En plus, ça bip. Ça fait bip. Et puis, t'as le voyant qui s'allume et tout. On est rentré chez nous. Bon, je pense que j'avais encore, je pouvais faire encore, voilà. Mais je suis contente de l'avoir pris parce que moi, je suis un peu comme avec les chargeurs de téléphone et tout ça. Enfin, les batteries de quoi que ce soit. Dès que ça atteint un niveau, ça me stresse et il faut que je remplisse, que je recharge, que je remplisse. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas. Enfin, j'aime bien que mon téléphone soit chargé. J'aime bien que machin, je remets à zéro. Ma voiture, je suis à 28 000 km, 28 553. Je vais faire des courses. Hop. Ah, mon petit truc, mon petit jeton. Ah non, j'ai la musique. Ah. Bref. Aujourd'hui, c'est très nuageux. Et donc, il fait 25 degrés. Et du coup, c'est hyper grave parce qu'on n'a pas le soleil qui nous tape dans la tronche. Et ça repose un peu. En fait, je vous dis toujours d'être dans l'été, puis à chaque fois, on entendait me plaindre de la chaleur, mais voilà, il y a une différence entre qu'il fasse 40 et que voilà, enfin bref. J'ai remis les sacs de course dans mon coffre, oui. Je suis dégoûtée, ce t-shirt là, jaune là, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, vous voyez pas, mais bon. Ah si, là. Là. Une tâche, mais en fait j'ai fait une tâche, bah, c'était la semaine dernière je crois que c'était une tâche de vinaigrette et bah par pas en fait, donc j'ai toujours une tâche. Bon, c'est pas grave, je le mettrai que quand je suis chez moi, hein. C'est pas très grave. Hop. Allez, il fait lourd en même temps. Non, enfin dans la voiture, il faisait lourd. Hop. En vacances, c'était un Intermarché aussi. Et j'avais pas ma carte de fidélité. Il se retrouve avec le numéro de téléphone. Et voilà, à un moment, j'avais 5 euros. J'étais contente. Des fois, j'ai 1 euro, je les prends tout de suite. Des fois, je les finis, je ne savais même pas que j'avais. 5 euros, ça commence à faire. Hein. Merde, il y a un panneau, notre magasin est en travaux. Désolé pour la gêne. Je vais chercher un peu partout. Voilà, il m'a fait rondement mener pour les courses. C'est cool. J'ai demain, comment on va aller à... On a pris rendez-vous donc chez Apple, je crois, je sais plus si je l'ai dit, à 14h à Vélizy. Donc, non, il est pour 14h et j'en profiterai. Comme on sera, il y a un grand Auchan, on va prendre quand même, même si on n'a pas les fournitures pour Alexis, mais un agenda. Je suis dans son ancienne chambre, hein, pour rappel. Avec son ancienne déco, qui est mon bureau, bref. Donc même si on n'a pas la liste des fournitures, on va quand même prendre
un agenda. Il aurait certainement besoin. Et peut-être, voilà, il aime bien les stylos quatre couleurs. Peut-être lui en reprendre. C'est pareil, il est bouffe, hein. Je sais pas ce qu'il en fait, mais. Et là, Inter, j'ai repris les petites dédicaces à toi, Amandine. Des protège-livres. Donc, ça coûte 5 euros, il y en a 10. C'est des trucs hyper simples, ça se colle. Enfin, moi, je déteste les trucs manuels comme ça, couvrir les livres, mais avec ça, c'est hyper simple et n'importe quel crétin est capable de le faire, puisque j'en suis capable. Et que là-dessus, je suis un peu crétine. Donc, ça coûte 5 euros et il y a 1 euro pour handicap international. J'en achète tous les ans, quasiment. Et les étiquettes autocollantes, il y a tout. C'est vraiment bien ce truc-là. Je crois que j'en ai déjà parlé et tout le monde en parle. Bref, j'ai encore une panière à ranger, mais je la ferai plus tard. Je pense que je vais pas tarder à aller me faire une petite marche. Et j'ai chaud. Voilà, demain, Alexis, David, aujourd'hui, il travaille, mais il est comment s'appelle, en télétravail. Demain, il sera en présentiel. Donc, voilà. Voilà. Et puis, je suis contente parce que le temps passe pas trop vite. Je profite bien de ces journées de congé, là. En faisant mes petits trucs, voilà, je fais pas mal de trucs de ce que j'avais à faire tranquillement. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, il fait quand même lourd. Enfin, le temps est très, très bizarre. Très, très bizarre. Très nuageux. Enfin, je sais pas, c'est chelou, quoi. Bref. Donc là, il est quelle heure? 14h24. Est-ce que je me prends un petit café? Je vais peut-être me prendre un café et je vais aller me promener après. Voilà. Parti. Depuis un moment déjà pour ma petite marche. J'essaie de marcher vite. Je sais pas combien de temps ça va durer ça par cette histoire. Mais j'essaie de marcher vite. Voilà. Je me fais violence, hein, je vous avouerai. Mais je me dis que c'est bien. Je vous l'ai déjà dit ça hier. Hier, c'était toujours la même chose en fait. Les journées passent vite. Elles sont bien, mais ça passe vite quand même. En fait, non, ça passe pas trop vite. En fait, je crois que ça passe juste comme il faut. Désolé, je suis essoufflée, mais. Oh. Ça montait là, donc. Oh. C'est dur. C'est dur de marcher comme ça. Hein? Ça va trembloter en plus. Heureusement, il n'y a pas de soleil. Enfin, légèrement. Mais il fait quand même lourd. Putain, je parle que de ça. Météo, météo, météo. Bref, je me tais et je marche. Et je vous reprendrai plus tard. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Bizarre. Peut-être un passage de sanglier. Super. Il va falloir que je cours.